Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de carte que je trouve bien sympathique. Pour le spectateur, je vais devoir lui montrer un exemple afin qu'il puisse suivre le déroulement du tour. Donc, je vais juste prendre quelques cartes pour lui en laisser le maximum possible. Je vais lui demander de couper son jeu en deux. Donc, il va couper son jeu en deux et recoupe afin qu'on ne puisse pas connaître la case qui se retrouve dessus. Il coupe son jeu en deux et bien sûr, on peut regarder. J'ai oublié de vous montrer, toutes les cartes sont absolument différentes. Il n'y a pas de souci, on peut étaler, montrer le jeu, il n'y a pas de souci. Donc le spectateur a coupé, on va lui demander de faire les donc trois petits paquets, identiques ou pas, peu importe. Et son choix est libre. Et on va regarder chaque carte qui se trouve dessus et compter le nombre de cartes qui correspond à la valeur de la carte. Je vous montre, c'est plus simple. On retourne la première, un 4. Donc on va compter 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et on tombe sur un 4. Coïncidence. Ensuite, on retourne la deuxième carte, un 2. Donc on va compter deux cartes. 1, 2. Et on tombe sur un 9. On fait de même pour le dernier paquet. On tombe sur un 3. On va compter trois cartes. 1, 2, 3. Et on tombe sur un 10. 4, 9, 10. Et là, depuis le début du tour, j'ai une prédiction dans l'enveloppe. Et si on additionne le total, on a 10. Et 9, 19 et 4, 23. On regarde dans ma prédiction. Et il y a le chiffre 23 marqué dedans. Bien sûr, pardon, dans l'enveloppe, il n'y a rien. Et il y a marqué 23. Pourquoi 23? Parce que aussi, depuis le début du tour, j'ai un jeu de cartes qui se trouve ici. Et si on regarde bien, on va compter 23 cartes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. On tombe sur le roi de pique. Pourquoi le roi de pique? Parce qu'en fait, derrière ma prédiction 23, il y a aussi le roi de pique. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est la seule carte imprimée du jeu. Merci.